make a way for you. Sick of just passing through. I'm not over the steps. Not even halfway. Bonjour à tous, mes cochons d'Inde en caramel mou. Vous êtes bien devant votre nouvel horoscope, la plus belle invention de l'humanité après le vaccin contre la rage et Youporn. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous préoccupe depuis des millénaires. Oui, la question. Peut-on être vierge et avoir une sexualité épanouie? Chers amis, vous qui êtes nés entre le 24 août et le 23 septembre, j'ai une bonne nouvelle. Vous aussi, vous pouvez avoir une vie sexuelle. Je vous préviens tout de suite, il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Parce que quand on se présente comme ça, un speed dating, « Bonjour, je m'appelle Xavier, j'ai 34 ans, je suis conseiller financier et je suis vierge », ça fait fuir le chaland. En revanche, si vous ajoutez à la fin « Je suis vierge, mais je pratique le sexe tantrique », ça risque de vous donner une aura mystico-sexy qui va faire des ravages si vous aimez draguer au rayon huiles essentielles du nature et découverte le plus proche de chez vous. Alors, qu'est-ce que c'est le sexe tantrique ? Quelques mots, c'est faire l'amour sans se toucher. Génial, fini les odeurs corporelles désagréables, les MST, la pilule du lendemain, le rêve quoi. On va tout de suite se faire une petite session de tantra. Je m'assois au lotus, le lotus c'est comme ceci, et vous devant votre télé, mettez-y un peu du vôtre, allez. On oublie ses douleurs aux articulations, et on s'assoit en position du lotus. Je m'en fiche si vous étiez nul en gymnastique au sol, allez. Bon maintenant, on ferme les yeux, on fait le vide dans sa tête, on respire, on écoute son corps. Bon, objectivement, on se fait chier, je ressens à peu près autant de plaisir que quand je sors mes poubelles. Vous savez quoi, les vierges? Vous allez arrêter de jouer les chochottes, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez faire l'amour comme des bêtes et on s'en fiche si ça sent la sueur et que ça fait mal aux abdos. Capiche? Sur ces bons conseils, je vous fais plein de poutous les loulous. Et on se revoit très vite pour un nouvel horoscope. Vous avez de vraies questions sexo qui vous turlupinent? Et je n'y ai malheureusement pas répondu. Pas de panique les choupis, on vous répond 7 jours sur 7 au numéro qui s'affiche ici, en bas de votre écran. Ne restez pas sans réponse. Bisous les chatons. Si ça se trouve, Marie, elle joue les simples, elle touche, mais en fait, quand elle est tombée enceinte, c'était en pratiquant du sexe tantrique avec...